monde, c'est Brudav, toujours en compagnie de Chobiti sur Wallmender. Coucou Chobiti! Coucou Brudav! Comment vas-tu? Bah écoute, ça va bien. On devait se préparer à faire des défenses et faire des provisions. Ouais. Alors, il me faudra du cuivre et de la pierre de cristal. Je suis en train de préparer les défenses. Est-ce que faire des murs, c'est vraiment intéressant? Je suis pas sûre. Les statues, elles font quoi déjà? Ok. On n'a pas tant de cuivre que ça, hein. Ah si, ils sont là. Ah, ils sont cachés. Bon, on va déjà s'occuper avec ça. Hop. Symbole de flamme. Ah, symbole de flamme, ouais, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Paf, 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 paf. Bon, bah, je pense qu'on a pas mal upgradé les défenses, là. Ouais. J'allais reposer les compos. Où est le ventre de la grenouille? Grenouille! Son violette fluo, je devrais quand même pas les louper. Là, il y en a une. Alors. Hop, hop. Non, mais genre, elle est violette fluo et elle a réussi à se cacher. Non, mais t'es où? Je l'entends, mais je la vois pas. Tous les coups, elle est quelque part par là. Bah écoute, moi je suis prêt. Moi je suis presque prête. Mon inventaire est méga plein. Je voulais faire un truc et forcément je peux pas. Bah écoute, c'est pas grave. Du coup, la pierre de symbole que j'ai posée là, il faut quoi pour l'upgrader? Une pierre de cristal et du cuivre. Ok. Vidons cet inventaire qu'il est trop plein. Oh, mais tout est plein. Tout est plein! Alors, bah écoute, moi j'ai déjà allé au téléporteur. Vas-y. Du cuivre, c'est pas là, le cuivre. Si je me plante pas, c'est celui-là. Oui, mais je suis toujours plein, là. Ah, je me fais attaquer dès le départ. Oh non! J'arrive. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Oh, je vole. C'est vrai que le téléporteur est dans la zone où il y a plein de monde. Ah mais crotte, il me faut du grès aussi. Si je range mon grès pour faire de la place, ça marche plus.
Chocho, elle a pas de cerveau. On va éviter de le dire trop fort. Ah, je te laisse dire ce que tu veux, hein. Ah, mais des fois, je suis con. Voilà. Ah, et on peut l'upgrader encore derrière, avec de l'obsidienne et du granit. Bah. On va peut-être faire ça. Oups, si vautré. Je vais faire ça ici. Ah, c'est chiant qu'il n'y ait pas de moyen de dire il y a ça dans mon dans mes paniers. Tu passes ton temps à chercher dans les paniers ce que... Attends, j'ai pas pris les pierres de cristal. Ah putain, j'ai pris du fer. Donnez-moi ce que je veux. Moi, je nettoie les alentours. Hop. Et du coup, pour ça, il faut deux obsidiennes et un granit. Voilà. Qu'on se fasse pas trop avoir. Chouchou. Donc, un granit. Et ouf, je n'ai pas dit qu'on ait deux obsidiennes. Si, on en a une deuxième alors. Parfait. Voilà. Je le revide. Tout ce qui a rien à faire dans mon inventaire. Tout ce qui se mange pas en gros. Et je te rejoins. Aïe. Ça se mange pas, je vais peut-être pas le mettre là. On a de la place ici, on a de la place là. Ben, on va peut-être en prendre un de ça. Et j'arrive. J'arrive. Brou, meurs pas. J'essaye. J'ai de l'eau, j'ai de quoi manger. Et... je me tapis. Ah, me fait attaquer. Qui ose m'attaquer? Alors, que je me souvienne, parce qu'on a du coup on a un peu tous les pouvoirs qu'on a gagnés la dernière fois là. Moi j'ai pris la terre. L'aiguille temporelle, je sais même plus ce qu'a fait l'aiguille temporelle, c'est pas grave. Déjà, on va essayer de pas crever. Ça me paraît la meilleure des solutions. Te coince pas, Chocho. Ça. Je sais plus ce que ça fait, ça. Aïe. Bon, le nettoyage est en bonne voie. Ouais, mais c'est vrai que la bouffe que j'ai pris, ça redonne pas de la vie. Ça redonne juste de la bouffe. Ah.
Bon. Ça commence à être un petit peu plus calme déjà. Ouais. Un petit peu de santé, ça serait bien. Voilà. Et là, j'avoue que je me souviens absolument plus à quoi ça sert les différents trucs, donc on va aller regarder un peu. Ah bah voilà. C'est du propre, elle se souvient déjà plus. Ah bah oui. Là, je me souviens plus ce qu'il nous a donné comme pouvoir, notamment avec les plumes et ce genre de choses. Notre copain. C'est pas grave. Déjà. On va essayer de survivre. Oh ! Oh putain. Et une tourelle de moins. GG. Plus que 50. Mais lance-moi. Quand je te demande, cocotte. Ouais, ça redonne pas des masses. Oh, j'ai un parchemin, tiens. GG. Alors ensuite, on va aller boire un coup parce qu'on a plus de flotte. Oh, il fait sombre par ici. Alors du coup... Ah mince, c'est le temps inversé que j'ai là. Voilà, ça c'est mort. C'est ça ou c'est l'autre, je sais plus. C'est ça. Ah, je suis poisonné en plus fort. Hop. Voilà. Ensuite. Il y a encore quelque chose qui me tape dessus. Ah ouais, ouais, il y en avait beaucoup. Hein. J'ai bientôt fini de les nettoyer, les tourelles, mais... Non mais ils volent pas là, au sol. Voilà. Quoi? Ah, t'as vu, ça a changé. Maintenant faut qu'on détruise l'arbre de vie. Oh non, le pauvre arbre de vie. Et oui, mais il est un petit peu corrompu l'arbre de vie, hein. Tout petit peu, si peu. Pas l'air de lui faire grand chose que je lui fais là. Bah, je lui fais au lance-flamme. Ah, si. Tu l'as fait, c'est bon. Oh non, l'arbre de vie, il brûle.
Alors, bon, bientôt fini. Accepter l'aide de Naya. Bah, en même temps, on n'a pas eu trop le choix, visiblement. Non, on n'a pas eu trop le choix, visiblement. Il se dirige dans notre jardin! Coucou, grenouille! Alors, qu'est-ce que je pourrais manger, moi? Ah, on peut... Le miel, on peut le manger, ouais, mais... Oui, bon. On peut le manger. Eh, hey, me pousse pas! Je te pousse si je veux! Alors, je t'ai pas très bien entendu, là. Défendez ce jardin! Dans 20 secondes! Tic tac, tic tac! Il manque 2 alites pour faire ce que je veux. Hop hop hop, y'a pas de alites ici. Y'a pas de alites là. Y'a de la alite ici. Hop top 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 top. Ici, voilà. Le voilà. Où es-tu, vilain méchant? Où es-tu? Ah, je le vois arriver là avec ses sbires. Ouais. Forcément, c'est la zone où on a très peu de défense. Ouais. Oh, mais ils arrivent d'un peu partout en fait. Ah oui, d'accord. Oui, fallait vraiment mettre des pièges sur toute la zone, quoi. Je vois que là-bas, ça se bat. Non, ça se bat plus. Ah, il a un petit bouclier, l'enfoiré. Quoi? Salaud! Ah, là, il a plus de bouclier, on dirait. Ça y est, il l'a récupéré à nouveau. Ah, il va falloir l'attaquer quand il aura pas son bouclier. Sûrement. Je peux examiner le rocher. Bah oui, non, non, ça n'a aucun intérêt d'examiner le rocher. Plus de bouclier. Mais je veux pas que tu boives, cocotte. Oh, j'ai mis ce...
mis doigté les doigts sur le clavier. Au lieu de lancer ma tempête de flammes, j'ai bu. Oh. Cocotte. Ouf, tu vas devoir boire un petit truc, ma cocotte. Un petit tonic. Il est presque mort. Hein. Ça y est! Wouhou! GG! Voilà qui conclut l'existence de Selan, qui n'avait plus d'arbre de vie pour transporter son esprit. Le cycle semblera brisé. J'aime pas le semblera. Ouais. Qu'est-ce donc? Quelle nouvelle corruption Selan nous a-t-il laissé dans sa mort? Quoi? Non mais... Ce n'est pas de la corruption, je le sens dans la terre. C'est une graine, vite, apporte-la chez toi, à l'arbre qui te relie à la vie. Bah, c'est-à-dire qu'il y a pour un fruit des spectres. On va déjà essayer de se débarrasser de tout ce petit monde là, qui nous empêche d'accéder à tout ça. J'ai la graine. GG. J'ai quelque chose pour me soigner. Soigne-toi, cocotte. Ah bah non, je suis morte. Heureusement que c'est pas loin. Hop. C'était pas ça que je voulais faire, c'est pas grave. Elle essaye de m'électrocuter. Ouais, j'essaye de t'électrocuter, tout à fait. Bon, bah on va pouvoir la donner à notre arbre, j'ai l'impression. Ben oui. Ça a l'air de s'être calmé. Ah oui, tant de parchemins que ça. Tant de petites choses. J'ai plus la graine sur moi, on dirait. Il lui a donné directement ou quoi? Je pense pas. Ah, il est là. C'est où qu'il faut lui donner? Bon, j'imagine que t'as interagi avec la source, un truc du genre. Peut-être, ouais, parce qu'avec l'arbre en lui-même, ça ne fonctionne pas. Parchemin ici aussi. Planter un arbre de vie. Oui, plantons. Ah bah voilà, c'est fini. Oh. T'as les crédits d'un coup. Ah, la fin est un peu dommage, je trouve. Bah ouais. Après, c'est... Enfin, j'imagine... Ouais, j'aurais aimé une petite cinématique, quoi. Bah, j'ai l'impression que c'est quand même un peu la cinématique avec les crédits. Ouais, vite fait, ouais, c'est vrai que oui. Bon, bah, du coup, on va s'arrêter là. Enfin, on va attendre la fin de la cinématique, mais bon. Ouais, bah, du coup, ouais, ça se termine comme ça. Et ouais, bah... J'espère que vous avez apprécié cette petite série, que
que vous allez aller voir la vue de Chobiti si vous avez vu la mienne. Et inversement, mais pensez aux pouces bleus, aux commentaires, à partager la vidéo, ça aide au référencement. Et puis pas. Bah, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bah ouais. Merci à tous de nous avoir suivis jusque-là. Ouais. Et puis bah, bye bye Chobiti, bye bye tout le monde. Bye bye Brudaf. Hop. Arrêtez l'enregistrement, bah ce sera court, on aura fait 23 minutes je crois. Ouais, moi j'attends quand même la fin de la cinématique, voir un peu si... Ouais mais... Si nous réserve des petites surprises. Ça sert à rien. Bah les cinématiques elles sont souvent un peu longues, alors bon... Je me suis dit, s'il y a 10 minutes de cinématique, je vais peut-être pas mettre 10 minutes dans l'épisode. Quoi. Ouais, puis il n'y a pas trop de surprises. Enfin, je veux dire, là, on voit ce qu'on a vu, mais il n'y a pas de... Le désert ouais, ouais. Qui disparaît ou whatever. Donc, Après, on aurait pu tout débloquer, etc. Mais après, ça rallonge la série pour pas trop d'intérêt, je trouve. Parce que les séries, quand elles sont trop longues, les gens, déjà qu'il n'y en a pas beaucoup qui regardent, mais après, il y en a encore moins. Bah ouais. Et bah écoute, merci beaucoup pour ce... Bah déjà pour la clé, hein.